Je l'aime, ma ville, mais pas propre. Poubelles pleines, ordures au sol et mauvaise odeur. La malpropreté des rues de Montréal est dénoncée par plusieurs citoyens. Mauvaise odeur, il y a beaucoup de poubelles. Vraiment, on aimerait vraiment que ça s'améliore. Là, on voit déchets, sacs. Puis c'est constamment comme ça, malheureusement. Constamment comme ça. Il n'y a pas de mesures qui se prennent malgré les appels qu'on fait à la Ville de Montréal. Une simple promenade à Montréal et vous constatez qu'il y a certaines rues qui sont remplies de déchets. Ça donne vraiment une mauvaise image de Montréal pour les touristes, pour les gens qui se baladent dans la rue. Bien au fait de la situation, la Ville de Montréal a déclenché une opération nettoyage d'urgence mardi. On s'adapte. On a des employés sur le terrain. On travaille en manuel. On sillonne des artères. Hier, Ville-Marie en particulier a fait un blitz propreté sur la rue Sainte-Catherine. Fatigué d'attendre, ce citoyen de 70 ans a décidé de prendre les choses en main. Pas le choix, ça reste de même. Il y a un truc de la ville qui va venir de temps en temps, puis il va le ramasser. Mais là, je veux lui donner un coup de main. Moi aussi, moi, je reste là. Il y a des enfants dans le bloc. Le monde sont propres. On vit d'une soie cochon. Là. Pourtant, pour éviter ce problème, les solutions seraient simples, selon l'opposition. Sensibiliser l'école bleue quand on ramasse les poubelles, vraiment de ne rien laisser derrière. La deuxième chose qui est très importante puis qu'on l'a répété depuis toujours, c'est qu'il faut avoir plus de poubelles. À la ville, on croit plutôt que ce sont les changements climatiques qui nuisent au ramassage des ordures. On peut se poser la question, est-ce que les brigadiers de la propreté devraient être là 12 mois par année plutôt que de couvrir la période du mois d'avril jusqu'à la fin d'octobre? Et si vous voulez que ces déchets soient ramassés plus rapidement, la Ville de Montréal vous demande de le signaler via ses applications. Alors, avec l'application Montréal Service aux citoyens, les gens peuvent signaler des problématiques de malpropreté. On prend la photo, l'appareil va géolocaliser l'endroit. On va venir faire le travail. Rappelons que le budget pour la propreté de l'arrondissement de Ville-Marie a été bonifié de 2 millions de $ pour un total de 23 millions de $ cette année. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.